Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Au son de la joie et de la fête, allons à la rencontre du Seigneur. À la page 347. Et d'allégresse.
Dans les livrets d'office, page 2. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, la sagesse.
En ce temps-là, je conduirai les aveugles par les chemins qu'ils ignorent. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez le nom du Seigneur. Vous qui célébrez en sa maison. Louez le nom du Seigneur. Louez le serviteur du Seigneur. Qui veillait dans la maison du Seigneur. Dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la No.
Lecture du livre de Judith. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui nous met à l'épreuve comme nos pères. Rappelez-vous comment il agit avec Abraham, comment il mit Isaac à l'épreuve et tout ce qui arriva à Jacob. S'il flagelle ceux qui s'approchent de lui, c'est pour leur donner un avertissement. Parole du Seigneur. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir dans l'abondance. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir dans l'abondance. C'est toi, Dieu, qui nous a éprouvés, affinés comme on affine un métal. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu, qui nous a fait sortir dans l'abondance. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité une force de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints. Ses prophètes depuis les temps anciens. C'est lui qui nous a rachetés de ses ennemis, à la main de tous ceux qui nous haïssent. Miséricorde qu'il montre envers nos pères. Mémoire de son alliance sainte. Délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions dans la sainteté et la justice. En sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé
Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple la source du salut pour la rémission de ses péchés grâce à la miséricorde du cœur de notre Dieu. L'astre levant venu d'en haut nous a visités pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire le roi au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Invoquons le Seigneur qui veut le bonheur de ses enfants. Permet que toutes les actions des baptisés soient accomplies en cette semaine pour servir leurs frères et sœurs et pour te rendre gloire. Que les baptisés, et plus particulièrement les consacrés, donnent aux hommes de notre temps le témoignage d'un amour attentif aux besoins des plus pauvres et des plus démunis. Ô Dieu, notre Père, nous espérons en toi. Tu as confié le monde à l'homme et à la femme, que leur égale dignité et leur complémentarité soient reconnues pour que ce monde soit plus humain et que s'édifie la civilisation de l'amour. Ô Dieu, notre Père, nous espérons en toi. Par l'action de ton Esprit Saint, illumine le cœur de beaucoup d'hommes, qu'ils comprennent que leur seul bonheur se trouve en toi, Père créateur du monde et des hommes. Confions cette journée toutes les personnes qui viendront pour les obsèques de frère Jean-Baptiste, que cette messe soit un temps de grâce pour l'âme de notre frère et pour tous ceux qui seront là. Et nous n'oublions pas de prier pour le monde qui est en danger, puisque la guerre qui est maintenant active en Ukraine risque d'avoir des répercussions pour le monde entier. Puisse le cœur des hommes de bonne volonté et des dirigeants du monde se tourner vers Dieu pour empêcher que ce conflit prenne une dimension mondiale. Notre Père qui es aux cieux, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Ô Dieu qui a confié la terre aux hommes pour qu'ils la gardent et la cultivent, et qui a fait briller sur eux le soleil, donne-nous de travailler fidèlement pour ta gloire et le bien de notre prochain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Angelus Domini nuntia vit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ordini et discernum promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eum tem Christum Dominum nostrum. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu.